Allez, c'est logique, on se retrouve pour un point sur le Bitcoin. Alors, cette bougie, qu'est-ce qu'elle annonce? On est resté complètement à l'intérieur du range. On va voir un petit peu en détail ce qu'on avait dit par rapport à hier. Ce qu'on a par contre aujourd'hui sur laquelle il va falloir faire attention, c'est cette baisse du mouvement de Tenkan-Sen daily. Sur laquelle elle risque d'influencer justement le mouvement avec un cycle baissier. Donc il va falloir faire attention. Il y a également autre chose sur laquelle je voudrais porter votre attention, c'est le nombre de bougies. Avant cette grande baisse, on était sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies avant cette baisse. Et actuellement, eh bien, on est au 1, 2, 3, 4, 5, 6e bougie avant le prochain mouvement. Donc attention à cette similitude ici de ce range qui avait duré et ensuite qui a été cassé par le bas. Donc on va essayer de voir si on voit des choses avec des dominantes baissières pour continuer ce mouvement à la baisse ou pas. Donc en tout cas, on arrive sur la fin du plan qu'on avait estimé avec les différentes targets VN, NT. Donc on avait vu que c'est la V à 19 591 qui a tenu, en tout cas jusqu'à la fin de cette fluctuation, puisqu'on était arrivé quasiment au tout début de la fluctuation sur la zone à 19 595. Et puis pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, et eh bien malgré les deux ou trois tests de cette zone, eh bien la zone a tenu. Alors si on regarde maintenant un peu plus dans le détail en 4 heures, hop. Donc sur le 4 heures, on voit, on a une partie centrale de cette latéralisation aux alentours des 20 033. On a notre partie, on va dire, on est venu chercher aujourd'hui la partie haute de range et tout de suite ça a été recorrigé pour revenir chercher la partie basse du range. Donc on reste vraiment complètement neutre. Alors, ce qu'on avait dit, hop, on va voir un petit peu plus précisément avec les lignes de force. Donc, on voyait qu'on avait cette zone, il y a 22 049, 20 407, hein, qui étaient les premières zones de résistance. En revenant sur ces zones de liquidité, eh bien, rebelote, on est redescendu à partir de ce niveau. On n'a pas réussi à essayer de casser le plus haut en se servant de la force de la ligne de force, pardon, E. Donc, une fois qu'on est revenu en bas, qu'est-ce qui nous reste par rapport à la hausse? Eh bien, il y a ces mouvements à la hausse, ils sont ici, voilà, celui-là. D'accord? Si jamais, effectivement, on pouvait recasser. Alors, encore une fois, ça c'est du spéculatif parce que pour le moment, on n'est même pas encore confirmé sur notre point C ici. Il pourrait très bien casser encore. En tout cas, c'est assez fragile, ça. J'y crois pas forcément. En tout cas, voilà, on suit cette ligne de force potentiellement sur une P à 20 250. On resterait à l'intérieur de ce mouvement. En tout cas, c'est un mouvement très peu probable pour moi. Maintenant, un autre mouvement, mais là, du coup, plutôt à la baisse, sur lequel on a tout un passif sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et je vais prendre d'abord juste le plan le plus long. Ici, voilà, si on confirme que c'est cette fluctuation qui prend le lead, hein, vous voyez que là, on est à la croisée des deux plans. Si je pense que c'est plutôt ce plan baissier malheureusement qui devrait se mettre en place. Voilà, donc on a ces deux lignes de force à suivre qui nous amèneraient sur les 18 600 éventuellement. Premier support 19 526, 19 616, et c'est un plan qui peut aller jusqu'au 5 septembre. D'accord? Donc ce plan s'annulerait à la cassure du point haut des 20 369. Et voilà, donc pour le moment, on va essayer de faire simple. Je privilégierai quand même ce plan ici baissier avec ses supports
à suivre. Vous voyez, entre ces deux lignes ou ces deux lignes-là, eh bien, le plan n'est pas du tout le même. Où on fait une VE autour des 18 600, 18 700, ou alors eh bien, on va venir faire le support sur 19 526, 19 616. Donc, ce qui voudrait dire qu'on resterait à l'intérieur du range. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour moi ce qui est à suivre demain. Donc, est-ce que on reste à l'intérieur du range pour repartir ensuite ici, ou alors, eh bien, on continue à suivre ces lignes de force-là, et avec la rupture pour demain de la partie des 19 591 qui avait bien tenu depuis le contact du 29 août. Voilà, donc je rappelle, hein, il y a en journalier, demain en théorie, on reprend un cycle baissier de Tenkan Sen Delhi. Donc attention à cette influence baissière. C'est pour ça que je privilégierais peut-être ce plan baissier. Donc à surveiller les premiers contacts autour de cette zone 19 529. Et si on le casse, eh bien, ce sera ces zones 18 704, 18 660 à suivre. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!